connu les Holtz et surtout Julien quand ils ont sorti. En fait, eux écrivent des livres depuis une dizaine d'années sur tous les sports et il y a quelques années, ils en ont sorti un sur les sports mécaniques. Et du coup, j'avais fait une interview croisée de eux deux. Puis c'est vrai que le contact s'était très bien passé. Enfin, voilà, on avait fait un contenu sympa. Et quand eux ont eu pour mission de faire le livre sur le centenaire des 24 heures, vu la quantité, il fallait être 4. C'est comme ça qu'ils ont pensé à moi. Et la première grosse partie, c'était en effet de défricher le terrain et de trouver ce qu'on allait dire et surtout comment on allait parler de 100 ans dans un livre qui est certes gros, mais qui ne devait pas être encyclopédique, rébarbatif, et on ne voulait pas non plus qu'il soit chronologique. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'en connaissais beaucoup, parce que c'est impossible d'en savoir. Voilà, même dans ce livre, on ne peut pas tout dire. Mais même, oui, quand on écrit un livre comme ça, on s'enrichit soi-même quand même. Évidemment. Et puis les uns des autres aussi. Voilà, on avait des histoires qu'on avait soit vécues sur le circuit, des choses à se raconter, des anecdotes.